On va installer les moteurs en prenant soin de mettre le pôle positif d'un côté dans le premier trou et de l'autre côté en inverse on met le pôle négatif en face. Alors, je vais poser là comme ça, j'ai enlevé ça. On va mettre de l'étain sur le pôle positif. Sur le pôle négatif en face. Essayez de faire ça propre quand même. On fait pareil de l'autre côté. Sans couler cette fois. Faire sortir les tailles. Ça m'a l'air pas mal. Maintenant, il ne me reste plus qu'à relier à la batterie et au switch. Donc, on va utiliser bien sûr le fil noir pour le négatif qui va aller jusqu'à la batterie. Donc, du com du switch, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à la batterie. Celui-ci, je vais repartir de la borne rouge vers le positif de la batterie. Tac. Voilà, donc celui-là ira au positif de la batterie. Et maintenant, on va en remettre un ici, jusqu'au pôle normal ouvert. Tenir, pas de souci. Donc celui-ci, on l'a dit, qui allait venir sur le pôle ici, sur la borne ici. Donc on va voir pour faire passer ça. Est-ce que je vais avoir assez de fil? Pas sûr. Je vais sans doute devoir en faire un autre. Je vais devoir en faire un autre.
Voilà.